Fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous quittons un petit peu le monde des casques et des souris pour revenir sur un marché concurrentiel, celui des petites enceintes Bluetooth portatives. Clairement, tout le monde s'y met, y compris les plus grands. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps une publicité pour une Bose à 300 €, beaucoup plus cher. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous allons parler de la S113 BT, donc qui propose du Bluetooth 4.0, du NFC et qui nous provient de chez Arctic. Pour le coup, vous allez voir au niveau du bundle, on se retrouve sur quelque chose d'assez connu puisqu'elles sont toutes plus ou moins fournies avec la même chose. Dans un premier temps, le nécessaire pour la recharge, savoir USB vers micro USB et 3,5 mm mâle vers 3,5 mm mâle pour une écoute filaire. Il me manque le guide de l'utilisateur que j'ai malencontreusement égaré entre les photos et la présentation vidéo. Comme vous le voyez, elle est fournie avec une housse de transport relativement matelassée, c'est plutôt sympa. Et à l'intérieur de laquelle nous allons donc trouver la fameuse enceinte portative de chez Arctic. Alors, comme vous le voyez, elle fait appel à du mesh, embouti de façon à symboliser les HP sur la face avant. Nous trouvons aussi trois boutons, plus ou moins pour le réglage de volume. Le bouton qui permettra de l'appareiller. Le tour est recouvert d'un plastique gomme orange assez sympathique, mais totalement défiguré par la présence de cet énorme Arctic qui, à mon sens, n'avait pas lieu d'être. C'est dommage, ça gâche véritablement l'esthétique d'un objet que j'ai trouvé plutôt réussi pour le coup. D'autant qu'en dessous, on trouve en plus les marquages traditionnels CE, etc. Sur la face arrière, nous avons encore une fois du mesh et on devine les deux ouvertures qui laisseront passer le son des membranes passives, puisqu'elle est dotée de deux membranes actives sur le devant qui feront de basses jusqu'aux aigus, et à l'arrière deux membranes passives qui s'occuperont de la partie plus basse. Alors, sur le seul côté où on trouve quelque chose d'intéressant, pardon, je ne le présente pas dans le bon sens, nous allons trouver un bouton on-off, le micro USB de recharge et le line-in en écoute filaire. Alors, ce produit-là est vendu aux alentours de 70 €, ce qui reste, cela dit, assez cher pour ce que c'est. Il s'agit en gros d'un produit qui vient pallier la déficience monstrueuse de puissance et de qualité sonore des HP de nos tablettes et téléphones. Je l'ai déjà écouté. Pour le coup, je vais zoomer un petit peu. Elle propose une restitution que j'ai trouvée plus aérée que la Cthulhu de Divacore, mais ô combien moins puissante. Effectivement, la Cthulhu l'enterre complètement à ce niveau-là. La Cthulhu est beaucoup plus puissante. Ceci étant, elle est puissante avec un aspect un petit peu engoncé, un petit peu forcé, alors que là, je l'ai trouvé que le son était beaucoup plus aérien. Maintenant, clairement, elle est beaucoup plus surreprésentée sur la partie haute du spectre. Le NFC est véritablement une très bonne idée. Vous arrivez avec votre portable, vous touchez cet appareil, et il n'y a plus qu'à lancer l'écoute musicale ou l'écoute de la radio. Maintenant, je le répète, 70 €, ça reste cher pour un objet qui globalement se comporte comme une radio. Personnellement, j'en ai bien trouvé l'utilité et je vous cache pas que je l'utilise tous les matins au petit déjeuner. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Qu'elle couvre un spectre qui court de 30 Hz à 20 000 Hz, qu'elle a deux membranes, donc je disais de 1,5 pouces pour toute la partie aiguë jusqu'à basse, et de deux, cette fois-ci, 1 pouce et demi supplémentaire en passif pour les basses uniquement, que l'impédance est de 4 ohms, que la puissance totale de sortie est 2 × 3 RMS, que globalement j'ai à peu près fait le tour, qu'elle propose une autonomie de 8 heures, ce qui est clairement le cas puisque je l'ai utilisé et je ne l'ai toujours pas rechargé. J'ai largement utilisé plus de 7 heures pour l'instant. Elle n'est pas encore tombée en panne, ça ne devrait pas tarder. Je pense que avec le temps la batterie s'usera et il y aura un peu moins d'autonomie, mais pour l'instant les 8 heures promis sont clairement là. Il n'y a pas de souci à ce niveau là donc c'était la S113 BT sur cocotteland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie et je vous dis au revoir.